on vous a senti dès le début du match quand même très soulagé, beaucoup plus zen que d'habitude. C'était vraiment, on voulait se faire plaisir sur un match comme ça. On voulait vraiment communier avec le public, faire un bon match, des choses comme ça. Le match s'est pas passé comme on le souhaitait vu qu'on a été très maladroit tout au long du match. On a loupé beaucoup de paniers, mais mine de rien on a été concentré, on arrache la victoire. Comme je dis, il faut gérer les affaires courantes, c'est-à-dire que maintenant on sait qu'on est en N2. On sait qu'on est en N2, ce qu'on voulait c'est vraiment ça, faire la fête, remercier toutes les personnes ici, c'est ce qu'on a fait. Moi je veux dire un grand merci à mes joueuses, félicitations à elles, on a un championnat qui était long, on a été sérieux et concentré tout le championnat. Ouais, on a senti quand même de la fatigue. Psychologiquement, dans la tête, physiquement aussi, ça commence à être long, mais bon, un grand merci à elles, parce qu'elles font une saison géniale, et aujourd'hui on a N2, et c'est du bonheur. Donc voilà, félicitations aux joueuses, et à tout le club qui ont suivi derrière. Voilà, président heureux. Oui, super, bien sûr. Un dernier match un peu crispé, parce qu'on a eu du mal à voir l'issue. Finalement, on l'a géré tranquillement, on a eu pas mal de maladresse, mais on l'a gagné et c'est un match, c'est une suite logique de cette saison où, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve à avoir 5 victoires en play-off sur 5 matchs. Donc finalement, notre place n'est pas usurpée. On va finir certainement première de ces play-offs.